Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 94 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Orc Must Die 2. Tout simplement. Alors Orc Must Die qui est un jeu de tower defense, on va dire ça comme ça. Donc c'est parti, on va jouer, on va prendre le mec, on peut prendre un des deux. Donc on prend le mec, on va s'appeler Sylvanus. Et c'est parti. Alors, donc voilà, il y a des niveaux, on va se mettre en apprenti, pour pas que ce soit trop compliqué. Voilà, histoire, et on joue. Donc là, on a les différents contrôles du jeu qui nous explique un peu qu'est-ce qu'il y a un peu partout. Et voilà, c'est parti. C'est donc ça mon destin. Finir emprisonné, piégé, dépossédé de mes pouvoirs. Je méritais tellement mieux. C'est moi qu'ils cherchaient. J'étais leur reine jadis. Maintenant, ils seront mes bourreaux. Et puis soudain, une faille est sortie de nulle part. Elle était différente, plus fragile. J'ai senti que je retrouvais une once de pouvoir, mais ce n'était pas assez pour contrôler le moindre petit orque. Pourtant, cette faille était ma porte de sortie. À peine l'avais-je franchi que je l'ai vu. Lui, il était là, planté devant moi, avec son sourire de benêt collé aux lèvres. Je n'avais qu'une chose à dire. C'est toi qui a fait ça. Allez, donc c'est à nous de jouer. Donc oui, oh, là, je tombe par terre. Vous voyez la mini-carte en haut à droite. Donc nous voyons le trajet, enfin la mini-map qu'il y a, le trajet qu'il y a. Ce que vous voyez passer, c'est un petit chariot. Alors nous, on a des items ici. Hop là, ça c'est des pièges. Donc ça se joue en tower defense, comme je vous ai dit. Donc on va aller poser des pièges. Alors j'essaie de retrouver un peu les mouvements, voilà. On va aller poser des pièges parce qu'on a de l'argent en bas à gauche. Chaque piège va nous coûter un peu d'argent. De l'argent qu'on va gagner en tuant les orques. Vous allez voir, vous allez comprendre en regardant. Alors on va poser ça là. On a plusieurs types de pièges, on peut en gagner au fur et à mesure qu'on va progresser dans le jeu. Je vais en mettre un là. Et il faudrait que je pose par terre. Ça c'est des ralentisseurs. En fait, quand ils marchent dedans, ils ralentissent un peu. Hop, et là j'ai plus d'argent, donc je peux pas en poser plus. J'appuie sur G et on lâche la horde. Donc voilà. Alors on lance, ça va jouer par vague, hein, comme un tower défense, comme je vous ai dit. Voilà. Alors j'ai pris en main l'arme. Donc il y a deux tirs. Il y a un tir avec des balles normales, comme ça. Voilà. Et on peut tirer des petits boulets de canon qui permettent de d'envoyer valdinguer un peu tout le monde. Alors attendez. J'ai perdu un raccourci clavier. Ouais. Non, je vois pas. J'ai cherché comment rouvrir mon menu des armes. Je ne sais plus. Ils m'ont dit dès le début, mais j'ai oublié la touche. Voilà. Hop. Ah bon, pour l'instant, on va se contenter de tirer sur les gens. Hop là. Vous voyez, c'était le petit boulet que j'ai envoyé. Ça peut être pratique quand ils sont beaucoup en groupe. Parce que vous l'envoyez et donc tout le monde s'en va valdinguer. S'il y a des bords, des précipices, bah, ils tombent dedans. Vous voyez, pour chaque orc qu'on a tué, on a gagné un peu de... Hop. On a gagné un peu d'argent en bas à gauche. Donc du coup, on peut poser les nouveaux pièges. Et c'est parti. Donc je reprends mon arme maintenant, je peux retirer. Allez. Donc c'est vraiment un jeu de réflexe, j'ai envie de dire, il faut être rapide. Regardez, hop là, vous avez vu, j'ai envoyé tout le monde valdinguer, j'ai fait série sanglante x7. Ce qui me rapporte des pièces, enfin de la monnaie, oui, ça doit être des pièces. Alors ce qu'on voit en haut à gauche, le petit boulet qu'on envoie qui envoie valdinguer les gens, c'est une sorte de magie. Donc la barre bleue, c'est une barre de mana. Donc vous pouvez pas non plus en tirer à l'infini, sinon on n'utiliserait jamais le tir normal. On utiliserait que les petites boules parce que... sont un peu plus puissantes, elles atteignent plus de gens. Et en la barre rouge, bah, c'est tout simplement notre vie. Parce que le but des orques, c'est d'une part de passer de l'autre côté, et d'autre part de nous défoncer la tronche. Orc must die, les orques doivent mourir. Voilà, la vague est terminée. Par contre, je ne sais pas comment prendre l'item. Bon, c'est pour récupérer du mana. Bon, ça doit pas être très utile en plein combat. Et la vie là, je sais pas.
Peut-être qu'il faut que j'en perde pour pouvoir récupérer. Ils m'ont pas indiqué de touche. Alors on va poser encore des nouveaux pièges ici et ici. Hop, hop. Allez, on est parti. Et plus on va avancer dans les vagues et plus on devrait avoir des ennemis. Hein. Normal, c'est, ça augmente le niveau de difficulté. Désolé pour ma voix, elle vient de partir en sucette. Ah, j'avais vraiment plus l'argent. J'espère que j'en aurai un petit peu. De toute façon, voilà, je peux pas tellement poser plus de pièges que ça. Enfin, si je peux continuer. Hein. Le terrain, il y en a encore un peu. On est loin de l'autre point. Série sanglante. Hop là. C'est pas mal de les envoyer valninguer comme ça. Et vu, il y en a qui passent par-dessus la rambarde. Hop là, ça en tue plein à la fois. Je fais des petits combos qui me donnent pas mal de pièces. Après, ça revient toujours au même. C'est un jeu plus fun. Il a pas une durée de vie limitée. Vous vous ennuyez très vite. Après, il y a une histoire et toute une histoire. Si vous la suivez, bah, vous allez faire tous les différents terrains. Allez. Bah, ma bombe, elle a pas explosé là-bas. Ah, si. Elle a mis un peu du temps. Ah, il y en a encore, hein. Pas terminé. Voilà. Oui, qu'est-ce que je fais? Oui. Donc on va poser d'autres pièges. J'ai eu un petit moment là, je sais plus qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Oui. Donc on va poser des pièges, on continue à en poser. Ah non, il est trop. Alors non, je peux le supprimer. Voilà. En fait, je le revends pour le même prix, je crois. Pour les premiers pièges, je pense que ça doit faire ça, mais après. On doit pouvoir les revendre moins cher, là c'est en mode facile. Donc ça va. Allez, encore une rangée d'orques. Hein. Combo. Donc pour l'instant je m'en sors plutôt bien pour ce niveau. Pour ces... On voit quand même qu'il y en a vraiment de plus en plus pour ces vagues. Voilà, j'ai cherché le mot. Là c'est plutôt bien. Faut pas non plus, voyez le mana j'en ai bientôt plus là-haut. Faut pas non plus que j'utilise trop parce que quand j'en ai besoin après j'ai plus qu'une seule balle. Que les balles plutôt. Donc là il faudrait que j'en tire un là au milieu. Voilà. Ah non. Ah, j'ai touché personne. Malheureusement. Heureusement que j'ai des pièges un peu partout, ça les tue pas mal. Hop là. Voilà, vous voyez, ils étaient pas mal en boucle là, x5. Pas mal en boucle là, regroupé. On fait du bon massacre d'orques là. Là, c'est pas mal. Oula, petit bug graphique. Voilà. Ça y est, il a dansé, il y a un petit bug graphique quand il se met à danser. Donc on a fini le niveau au bord du gouffre. Youhou ! Crâne bonus. Ah, les crânes qu'on gagne sur les parties vont nous permettre d'acheter des... Voilà, dépenser vos crânes dans le grimoire. Soit ils vont nous, soit des équipements, soit des sorts ou des armes. En fait, c'est un peu bizarre. Il y a plein de trucs, regardez. Il faut acheter des pièges. Aussi une apparence. Ouais, aussi. Non. Voilà. Alors, crâne bonus. On continue, c'est parti. Ça charge les tunnels. Voilà, ça, je sens qu'il va y avoir deux sorties. Une autre faille s'est ouverte. Bizarre, je pensais les avoir toutes fermées. On est où, là? C'est quoi, ouais, ce tunnel? On est dans les mines des nains. C'est ici que je bosse. Tu t'es reconverti dans les mines? Tu croyais quoi? Comme si j'étais bon qu'à tuer des orques et à jeter des sorts? Et puis, comment dire, les gens n'étaient pas super contents que je coupe la source de magie. Voilà, donc ils ont parlé. Moi, entre temps, je commençais à poser mes pièges un peu partout. Là, j'ai plus l'argent pour ça. J'ai encore de l'argent pour un petit ralentisseur. On peut pas en mettre plus loin là-bas. Ouais, on peut pas aller là-bas, donc on va le mettre ici. Tu es englué dans une drôle de situation. Et c'est parti. Lâchez la horde. Donc on va faire attention, on va gérer les deux. Attendez. On va gérer les deux. Putain, j'ai un problème avec mes touches. Je sais pas, je cherche. Mon menu qui me permet de m'équiper, j'aimerais bien mettre un truc dans l'emplacement, mais je sais pas lequel c'est. Non. Ah, je sais pas. Je trouve pas la touche. J'appuie un peu sur toutes les touches, pour vous dire.
Bon bah je sais pas. Je sais pas du tout, il faudrait que je recommence. Donc on va les lancer. Alors attention, où c'est qu'ils vont apparaître? Donc ils vont apparaître des deux côtés en fait. Hein. Donc non, il y a deux failles. Je vais pas y arriver. Il y a deux failles et donc il faut toujours les empêcher d'aller au bout du tunnel qui est derrière nous. Vous voyez sur la minimap en haut à droite. Hein. C'est tout droit. J'ai envie de dire pour eux, ils ont qu'à avancer. C'est pas tellement. Par contre, moi, il va falloir que je fasse très attention qu'il n'y en ait pas qui passent pendant que je m'occupe de cela. Voilà, pour l'instant, la faille est fermée là-bas, donc ça va. Au début, ça va être facile et ça va se compliquer sérieusement après. Enfin, qu'on est en mode facile, vous allez voir que c'est pas évident. Alors, j'ai. On va remettre des pièges. Hop. Eh, j'ai déjà plus d'argent. On va pas aller loin. On va rester comme ça. Allez. Non. C'est parti. Alors, ils arrivent de là-bas, comme j'avais dit. Je me suis gouré. Hop, hop. Donc pour l'instant ils viennent que de droite. Donc ils ont fait une fois de gauche, là ils viennent de droite. Combo x3. Donc comme je vous l'ai dit là, bah, j'ai pas tellement de choses à dire sur ce jeu. Bon mis à part, bon il est joli, il est pas vieux, hein, cette année, 2012 il me semble. Pour pas dire des conneries, je vous invite à regarder la description que je vais mettre plus tard. Quand la vidéo sera sur YouTube. Donc oui, bon, c'est très joli. Ah, ça y est là. Vous voyez là, c'était pas fini. Les deux entrées sont ouvertes, donc il va falloir que je fasse attention là. Série sanglante. Ouais, ah bah là, il y en arrive de deux côtés, vous voyez, carrément en même temps. Bon, ils ont pas été focus. Parce que des fois, ils vous en envoient d'un côté, vous allez les tuer, puis en fait, vous apercevez qu'il y en avait de l'autre côté aussi qui sont passés, comme vous voyez. On devrait le voir que très vite tout à l'heure. Regardez, il y en a qui arrivent là-bas. Hop. Allez tous crever. Donc il y en a des plus solides. Hein. Vous voyez qu'on n'a pas que des orques verts. On a les orques là qui étaient un peu plus gris. Ceux-là, ils tiennent deux coups. Et plus en fait, plus on va avancer dans l'histoire et plus on va rencontrer des orques. Oula, lui je l'avais pas vu. Regardez. Ah, mais il y en a encore un là. Donc il faut être attentif au point rouge. Ah, je me suis dit en fait, comme il n'y en avait plus qui sortait et que j'avais pas le bouton pour lâcher la prochaine horde. Et puis que la musique en elle-même était toujours en fond. Donc, faut faire attention. Est-ce que j'ai des. Ouais. Il y en a un certain nombre qui peuvent passer, vous voyez en haut aussi, c'est marqué. En haut à droite. Ah, on peut les mettre carrément de très loin les pièges. Ah, c'est plutôt pratique comme ça. Voilà, c'est parti. On leur a posé plein de trucs pour qu'ils crèvent bien, ceux qui arrivent à passer, qu'ils crèvent plus facilement. Ok, pas de bras, pas de chocolat, ils viennent dire. Juste pour ceux qui n'ont pas entendu à cause de ma voix. Il est comique en plus ce mec, il est marrant, il a du charisme. Donc l'histoire en elle-même est assez captivante parce que vous marrez bien quoi. Donc là ils viennent nous dire que le gros bolos qui arrive là, quand on le détruit, il y en a deux autres. Voilà. Bon, de toute façon ils sont morts aussi. Quand on les détruit, ils se séparent en deux bolos. Allez, crevez. Ah, ils commencent à gagner du terrain, vous voyez hein. C'est pas si facile et pourtant je suis en mode facile. Hein. J'imagine pas le mode difficile. Ça doit être totalement horrible. Il doit falloir bien élaborer sa stratégie de. Hop. Ah, j'ai jeté une boule pour rien. Il faut essayer de viser bien. Voilà, combo x3. Voilà. On a fait la vague. On va aller poser d'autres pièges. Tchoup. Ici, on va les ralentir devant les trucs à pic.
J'espère que ce sera la dernière, le dernier lâché, je pense. Hop là, donc là, on leur bloque bien le passage parce qu'ils sont pas bêtes aussi. C'est que quand ils sont bien bloqués, ils voient. Enfin, quand ils sont pas bien bloqués, ils passent autour. Ils sont pas très bêtes. Je pense que ce jeu a bien été fait quand même. Voilà, donc là ça se complique hein, de plus en plus. Il y en a vraiment de partout, regardez, ça arrive de deux côtés. Il faut être au taquet, si vous avez d'autres tensions, ce n'est pas la peine de démarrer ce jeu. Vous n'allez pas y arriver. Tout simplement, et on est en mode facile. Moi, je sais pas comment on peut le finir, comme je disais, c'est de la tactique, moi je suis pas très fort en tactique, c'est pour ça que je me suis mis en mode facile, je veux pas me prendre la tête pour le test. J'avais déjà essayé un mode normal, ouais, c'était beaucoup plus difficile. J'arrivais presque à la porte là-bas, à la porte du tunnel. Même vers les premiers niveaux, j'arrivais déjà à la porte parce que j'arrivais tellement à passer que regardez, je l'avais pas vu. Et il est toujours pas facilement. Bon. Hop là. Heureusement que pour l'instant, il n'y en a pas d'autres qui sont arrivés parce que. On serait pas sorti. Voilà, le niveau est terminé. Hop, tunnel. Victoire. Alors, non. Crâne bonus plus 3. On va peut-être pouvoir acheter un nouvel item pour vous montrer. Donc ça, c'est un truc qu'on a débloqué, ça, non? Ouais, est-ce que... Donc on a quelques petits trucs maintenant qu'on peut acheter. Regardez, qu'est-ce que je vais prendre? Je ne sais pas. Ça, c'est des pièges. Voilà. Acheter un piège qui fait des braises ardentes là. Voilà. Mais donc, ce sera tout pour Orc Must Die 2. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.